On est reparti pour plus de Front Mission 3. Donc nous sommes... Alors déjà il y a plusieurs petites nouvelles. Alors déjà nous sommes donc sur DuckStation. On a changé d'émulateur. J'ai fait tout Parasitive 2 en début d'année ou milieu d'année à peu près. Il marche très bien, il marche très bien. Après est-ce que vous allez voir des différences entre le EPSXE et DuckStation? Honnêtement je pense pas. Ça sera peut-être un tout petit peu plus joli, on va dire plus net. On verra de toute façon. Je le trifouillerai dans les options si jamais on peut faire un truc un peu mieux. Y a ça. Et en fait, j'ai rechargé aussi la partie un peu... Enfin, le combat d'avant. Et parce que je voulais montrer, en fait, les Wormser qu'on peut récupérer. Donc, du coup, je vais vous montrer ça. On va aller dans le magasin, vite fait. Et on va montrer ce qu'on a. Donc, le... Cubing 0. Donc ça c'est ce qu'on a affronté la dernière fois et donc j'ai recommencé. Alors c'était honnêtement pas très compliqué, on va dire que la première fois j'ai pas trop eu de chance, la partie que vous avez vue, donc j'ai pas pu en récupérer. Je l'ai recommencé deux fois je crois et la deuxième fois j'en ai eu trois d'un coup, donc voilà, on en a trois. Donc un en réserve, un que j'ai donné à Marcus et l'autre... à Kazuki. Alors, je vais être honnête, je me rappelle plus exactement les skills que ça donne. Il y en a... Je crois que celui des armes est pas mal. Mais les... Non, je crois que c'est celui-là des jambes, peut-être. All weapon defense. Je crois que c'est celui-là des jambes. Je crois que c'est celui qui va diminuer les dégâts à 200 de dégâts. Si c'est entre 200 et 400. Points de dégâts, je crois. Si c'est entre 201 et 400 points de dégâts, vous allez le réduire à 200. Donc c'est un des skills les plus intéressants du jeu, honnêtement, un des plus puissants. Surtout quand vous êtes loin dans l'histoire, parce que quand vous êtes loin, ils commencent à tirer genre des roquettes qui font très mal, ou alors tirer des avec les sortes de snipers là, qui font extrêmement mal aussi. Donc ça peut être pas mal. Après, je sais plus trop, je crois que ça c'est un combat... Un skill de combat de mêlée, je me rappelle plus exactement, et le body, je me rappelle plus non plus. Voilà. c'est un bon résumé, non? Je le montrerai plus tard si on les débloque. Il n'y a pas de problème. En tout cas, donc pourquoi ils sont aussi pétés en fait? Pourquoi ils sont bien d'avoir ça au début, enfin quand vous combattez pour la première fois ces mecs-là? Parce que si on regarde les upgrades en fait, si vous voyez, on est déjà au niveau 4. Alors que en théorie, on peut pas encore. Nous, on peut pas acheter en fait de niveau 4 en HP. Donc c'est pour ça que vous voyez là, il y a 872 d'HP. Et si on regarde, je sais pas, par exemple celui-là de Dema, vous voyez, il est au niveau 3, on a 478. Si on compare à un Wanzer de genre de mêlée, hein, de mêlée, genre le Kassel M2 par exemple. Kassel M2, on peut le monter à 3 et il sera à 760. Donc on est encore loin des 800 et quelques. Le Grapple M1, c'est ce que utilisait, je crois, Kazuki. On est au niveau 3 et on a à peine 700 HP. Et pour le 0, ce que Marcus utilisait, on est à 700 HP aussi. Vous voyez, donc c'est pour ça que ceux-là, en fait, sont bien. Après, c'est des Wanderers comme les autres, honnêtement. Ils sont pas... genre cheaté par rapport aux autres et tout ça, mais c'est juste parce que à ce moment là du jeu en fait, ceux que vous pouvez récupérer sur les ennemis directement, ils sont montés extrêmement haut, surtout pour le corps en fait. Donc voilà, les HP de chaque partie est extrêmement haut, donc c'est plutôt sympa. Et ils bougent bien, rapide, ils peuvent bouger de beaucoup de cases. Et ouais, ils ont une très bonne défense aussi. Oui, si on regarde la défense, c'est max 30%, donc c'est un 15% par cran. Donc c'est énorme. Alors que je crois que celui-là de Marcus ou de Kazuki à la base, c'est moins. Attendez, celle-là. Ouais, 10%, donc c'est 5 et 5. Donc voilà, ça aussi, ça fait une très très grosse différence. Donc ouais, je conseille de sauvegarder et de vraiment essayer en fait. D'en récupérer un ou deux. Et ouais. Mais après, plus tard, on pourra les acheter, évidemment. Je suis quasiment sûr de ça, on pourra les acheter. Donc ouais, en tout cas, nous, on va continuer notre petite aventure. Et du coup, on va utiliser deux des nouveaux Wanzer qu'on a récupérés. Donc un pour Marcus et un pour Kazuki. C'est parti.
On continue notre progression à Fuzhou. Ouais, c'est bien comme ça. Alors nous sommes arrivés à un des QG de Yuan Lian. C'est des rebelles anti-gouvernementales que apparemment Denis connaîtrait. En tout cas, il connaît Huang, qui est le chef. Et apparemment, il aura un mot de passe qui est Coolface. Et ça va nous permettre de voir et de parler avec ce chef-là pour nous aider en fait dans cette affaire et tout ça. Donc pour le moment, on suit Denis et ses directives. Donc nous sommes sur le chemin pour Ganzhou, où il y a le chef qu'on veut voir, grâce à Denis. Donc nous sommes arrivés à Guangzhou, où il y a le chef de Yualian, donc Huang, qui est là. Et apparemment, Denis et lui se connaissent depuis un très long moment. Denis l'a aidé dans le passé, et maintenant Huang est le chef des rebelles. Alors on essaie de discuter un peu avec le chef des rebelles. Pour le moment, on va dire que c'est un groupe de rebelles de bas étage, j'ai envie de dire. Genre ils sont pas vraiment équipés pour, ils ont pas vraiment de personnel non plus. Donc ils peuvent pas vraiment rechercher donc, la sœur de Kazuki ou qui que ce soit. Mais voilà, pour le moment, on est invité à rester ici et se reposer après nos aventures. Et ouais, on va voir comment ça se déroule par la suite. Donc ce qui se passe, c'est que Huang, donc le chef des rebelles, a reçu un message de Sanya Base, donc Sanya Naval Base exactement, qui appartient normalement au DHZ, mais ils leur ont tourné le dos. Et du coup, il travaille plutôt avec les rebelles. Et apparemment, c'est un signal de détresse, un message de détresse, et on doit envoyer du backup hein, pour les aider. Et Huang, vu que Huang, en fait, nous fait pas vraiment trop confiance, à part Denis, parce que bon, ils sont potes, mais du coup, il veut qu'on prouve un peu notre valeur, et on va y aller. Voilà, c'est nous le backup, et on va aller les aider. Donc nous sommes partis pour aller aider les gens à Sanya Base et voir ce qui se passe. Alors ce qui se passe, c'est que donc nous sommes bien arrivés à la base avec Nan qui est aux opérations de la base du DHZ. Par contre, ce qui se passe, en fait, leur gros problème et pourquoi on est là, c'est qu'ils ont une inspection surprise de leur champ pétrolifère. Et en gros, ils utilisent ça pour le marché au noir, pour récupérer de l'argent et tout ça. Et bien sûr, aider les rebelles en même temps. Mais tout ça, voilà, personne ne le sait. Et du coup, l'inspection, en fait, va découvrir tout ça. Donc nous, on est là bah, pour défoncer l'inspection, tout simplement, avant qu'ils découvrent les problèmes et le marché noir, etc. etc. Donc voilà, c'est ce qui se passe en ce moment et c'est pour ça qu'on doit les aider. Donc nous sommes sur le chemin pour la plateforme pétrolière. Et on est parti. Ah. Ah, ils sont déjà là. Donc ça, apparemment, ce serait les inspecteurs, je crois. Enfin, l'armée qui vient inspecter. Ouais, apparemment, ils sont extrêmement nombreux et ça a commencé, en fait, l'inspection. Nous, on aurait dû arriver un peu plus tôt, mais bon. Parti. Donc on va les défoncer les inspecteurs. On va prendre Marcus parce que j'ai envie de le tester. Je dirais qu'on prend Ryogo. Ouais, parce que si on prend Yoon, ça va être un peu overkill. Dès en plus qu'elle est elle a 32 AP. Donc elle est au niveau max. Bah après tous les autres aussi. Il n'y a que Marcus et que Denis. Ouais, il y a Marcus et Denis qu'il faut
finir de monter. Parce que ça aussi, ça nous aidera pour plus tard. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de fusils à pompe. Donc, on va rester en... Ouais, on va rester comme ça. Voilà, y a... Hop. On va rester en impact, je pense. Peut-être elle, on va la mettre en perforation. Quoique non. Honnêtement, j'ai vu que des fusils à pompe. Donc, on va voir. Après, on a des gens avec nous qui vont nous aider. On a les rouges, là. Alors, fais voir un peu. Vous avez des Rickson. Ça, c'est des ouais, snipers. J'aime bien ceux de leur clan, parce que vous avez le symbole, en fait, sur le torse du Wanzer. C'est plutôt cool. Ouais, ils sont pas... Ils ont rien de spéciaux. Et après, il est où l'autre? Hop, 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 il est là. J'imagine c'est pareil, pilote. Ouais, non, il n'y a pas de battle skill. Ok. Faut que je me remette un peu dans le bain du jeu. Donc, bon, je vais être un peu lent. Alors, on a quoi exactement? On a... ok, de la perforation. Donc ça, c'est des canons. Ok. Deux. Ça marche. Alors. Et là, c'est du fusil à pompe anti-feu, anti-feu. Fusil à pompe anti-perforation, anti-feu. Perforation, feu. Ok, ça va faire très mal. Si on y va au corps à corps, ça va faire très mal, en théorie. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça. Faire du lance-roquette sur eux. Ouais. On va essayer de les faire de loin, eux. Parce qu'en fait, ils vont commencer... Ouh, très bien. Ok, très bien. Ça fait un qui est déjà... genre hors d'état de nuire, j'ai envie de dire. Là, j'ai peur que Kazuki se prenne méchant, mais dans un sens, ouais, autant y aller, quoi. Oh, on prend rien, quoi. On prend pas grand-chose en dégâts, honnêtement. On prend vraiment pas grand-chose. Ah, ça fait chier, on est loin. C'est pas grave, on va se mettre là. Non, honnêtement, ça fait la différence, ce Wanzer. Ça fait vraiment la différence. Ah ouais. Non, non, c'est les 30% de dégâts en moins, c'est quand même énorme. C'est quand même vraiment énorme. Si on a quelques skills qui s'enchaînent, honnêtement, on devrait les défoncer facilement. Ah, très bien, on va contre-attaquer. Oh merde! J'ai pris bouclier. Ah, je voulais prendre l'attaque. Con. Il va prendre un peu cher, Kazuki, mais bon, il est en plein milieu. Ils se sont mis un peu bizarrement, je vais pas pouvoir... Après, si je m'approche trop près des mitraillettes, ça risque de faire mal. Ouais, mais là ils font chier, en fait. Je peux pas les toucher, moi. Ouais, je peux pas les toucher. Il y a que lui. Non, pas de skill. Non, ok, t'as décidé. Ok. C'est bien. Après, je peux me mettre là. Par contre, le lance-flamme, c'est quoi la porte? Ouais. Non, on va pas... Putain, faut que je m'en avance, en fait. Aïe, 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 aïe. Ouais, on peut utiliser le lance-flamme. Ouais.
Mouais. Ouh, shield d'attaque, bien. Très bien. Voilà, déjà, un fusil en moins. Je pense pas que le combat va être trop difficile. Il y a que le haut là qui est un peu relou. Parce qu'ils se sont positionnés dans un sens où on peut pas les toucher. Donc ça va être chiant. Kazuki ne connaît pas de battle skill. Ah ça va, il est descendu. J'imagine qu'on a des points en plus si on finit avec les deux qui nous aident. Qu'est-ce qu'on fait? On riposte ou pas? Ouais, on peut riposter. Enfin, j'en sais rien, honnêtement. 73%. Ouais, on va riposter. Ah, elle prend quand même cher. Elle prend quand même cher. T'as plus que 55 de vie, c'est bien. Attends, anti-P aussi, c'est chiant. C'est sympa hein, d'augmenter le lance-flamme et tout, de montrer un peu un gameplay différent avec le lance-flamme. Encore une fois, comme j'ai dit, c'est pas... Je pense pas que ce soit vraiment la meilleure arme à faire. Très bien. Ok, mauvais bras, c'est pas grave. On peut le taper de là? Ouais, je crois que c'est pas trop haut. Ah non, ça va. Aïe 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 aïe, c'est pas la... c'est pas le top, hein. Ouais, c'est pas... S'il y avait Yone, encore une fois, hein, y a des... On va dire des choses à faire qui restent quand même beaucoup plus puissantes que certaines d'autres choses, du coup. Genre Yone, si elle faisait le double tir, elle défoncerait tout le monde. Genre double fusil à pompe, ça marche très bien partout, honnêtement, j'ai envie de dire. Alors que là, on se prend des coups... On a que des coups de poing, enfin on a deux qui font des coups de poing. Donc du coup, moins 7. On peut pas faire ça, on va faire ça. Du coup on va dire que c'est un peu plus compliqué pour détruire le Wander. Parce que bon, si on tape dans les jambes, si on tape dans le bras genre gauche, où il n'y a pas l'arme. Enfin, bras droit plutôt même. Ah, ça aide pas quoi. Donc c'est pour ça. À chaque fois qu'il y a du un tir, c'est un problème. Genre si c'est pas de l'AOE en dégâts, c'est emmerdant. Alors, déjà là, ça c'est bien, stunner, c'est cool. Je bien le tuer, lui. Voilà, les jambes, encore une fois, c'est bien. Aïe, 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 aïe. Là, si on pourrait détruire... Ouais, non, il y a trop de vie dans le bras gauche.
Oh! Ok, ok, j'avais pas vu ça venir. Ouais. Ce qui est intéressant aussi, je sais pas si je l'ai dit, mais on peut. On peut aussi taper les Wanderers qui sont gris, où il n'y a plus personne dedans en fait, qui sont complètement bloqués, stunnés, hors jeu quoi. Donc ça reste quand même une bonne technique aussi de combat. Oh waouh, alors lui il a pas eu de chance. Ça reste une bonne technique de combat parce que bah, c'est comme s'il était stunné le truc vu qu'il va pas réagir. Et pendant deux tours, enfin le mec il est sorti un tour puis après il va re-rentrer le deuxième tour donc il va vraiment pas bouger quoi. Il va pas jouer même. Voilà c'est bien. On perd de l'expérience, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Par contre, j'avoue que c'est un peu la merde. Non mais quoi, toi t'es tout frais, toi t'es quasiment mort. Ah, peut-être qu'on peut faire un truc. Je sais pas. Dans la merde, Kazuki, en fait. Ce qu'on va faire, c'est le Odin sur lui, avec de la chance. Voilà. Et là, je crois que on peut monter. Il faut que un aille à la lumière bleue et l'autre soit sur la plateforme. Ou alors on peut choisir sur la plateforme. Non, je crois. Non, il faut pas. Non, il faut qu'il y en ait un à la lumière bleue et l'autre à la plateforme. Toi, tu vas Buckler. Je vais être honnête, il devrait pas pouvoir tirer aussi bas en fait, en contrebas, mais bon. On va pas trop demander. Je vais refaire ça. Ah, ok. Ah, merde. Ouais, bah, ouais, trop tard. D'accord, non, c'est sur la plateforme. Du coup, j'aurais mis Marcus, en fait. Aussi, mais bon, c'est pas très grave. Marcus, on va le faire venir ici pour aider. Ça c'est fait. Puis après on a des requêtes et on tirera sur l'autre. Sur les trucs en hauteur. Hop. Vous avez vu, lui il a été éjecté, il a plus de résistance. C'est deux fois qu'il se fait éjecter. Mais si vous regardez, comme j'avais dit, même sur ça en fait, bah oui bon du coup le mec est éjecté maintenant. Mais quand vous regardez là, il y a écrit anti-I, donc anti-impact. Mais là, quand j'ai tiré au lance-roquette, il n'y avait plus... enfin, au missile, pardon. Il n'y avait plus écrit ça. Donc, c'est comme les Wanderers, quand ils se remettent dedans, ils vont pas réactiver les bonus. Donc, c'est bien d'éjecter les gens. Ouh.
Ouais, donc il y a la plateforme et il y a le... Le bouton apparemment qui marche. Fou. Trop cher. Kazuki. Très bien. Bon, ça, ça c'est... J'ai pas envie de dire que ça s'est bien passé, mais ça s'est passé, allez. Je pense pas qu'on va avoir un platinium. Ah oui, mais c'est pas fini du coup, parce qu'il y a toujours le mec qui a envie. Bon, bah du coup, il va se prendre une missile dans la tête. Ou pas, il va peut-être l'éviter, on va voir. Bon, bah il a pas eu de chance. Il a pas eu de chance, quoi. Je sais pas si on a bien fait. J'ai du mal à juger là par contre. Je sais pas, je pense que ça aurait pu beaucoup mieux se passer. Surtout avec Kazuki, sur le côté Kazuki. Ouais, dégâts, moins 6%. Ouais, on n'a pas vraiment eu de battle skill en fait qui se sont déclenchés, c'est ça qui nous a merdé. Ça fait voir. C'est des niveaux 2. Ouais, non, celui-là on s'en fout. De toute façon, là, le. Le Yonksai, on l'a celui-là. Oui, c'est Jun qui l'a. Enfin, je crois. Je m'en rappelle plus maintenant, j'en doute. Bon, on va le prendre. Non. Voilà. On va le prendre. On le revendra si besoin. Après. Ouais, on a gagné. Et on continue, petit temps mort juste avant de continuer par contre, parce que la dernière fois j'avais pas expliqué par rapport au battle skill en fait de Sowanzer, donc je suis allé voir, parce que j'avais complètement oublié. Donc pour le body c'est Revenge 2, Revenge 2 en gros, donc ça augmente les dégâts de 150% quand on contre-attaque, donc quand on passe en deuxième du coup, donc par exemple les coups de mêlée passent toujours en deuxième, donc voilà, on a une chance de faire 150% des dégâts. Très bon pour le corps. Après pour les bras, c'est Topple Punch, donc c'est un punch différent, parce que vous savez, il y a, c'est quoi les noms, Eject Punch, Stun Punch et tout ça, donc ça fait différentes altérations d'état, si on peut dire comme ça. Et Topple Punch, en fait, ça fait tomber le Wanzer par terre, ça le stoppe dans n'importe quelle action, donc du coup ça va le... Ben, en fait ça va le stunner, mais c'est un stun plus puissant, parce que ça va aussi réduire ses AP à 0, donc c'est-à-dire que si après on l'attaque, après notre attaque à nous, si un autre Wanzer l'attaque par exemple, ben là du coup il sera vraiment à 0 AP, il pourra vraiment pas bouger du tout et pas faire quoi que ce soit. Donc c'est ouais, comme si c'était un stun punch, mais beaucoup plus puissant. Et après, ouais, c'est les jambes, je m'en rappelais bien, donc les jambes c'est celle-là, donc c'est... Si vous prenez des dégâts entre 201 et 400, les dégâts seront réduits à 200 de dégâts. Donc c'est ouais, c'est dommage fixe à 200. Donc c'est un des plus puissants. C'est vraiment un des plus puissants. Il y a honnêtement, comme j'avais un peu expliqué tout au long de l'histoire et tout ça, et des combats, il y a des moyens de faire des Wanzer extrêmement puissants. Alors après, évidemment, on en revient toujours au même, c'est que c'est toujours un peu aléatoire en fait, le fait que ça sorte ou pas. Mais on peut faire des trucs vraiment très intéressants, genre éviter que des parties du Wanzer explosent, éviter de se prendre des gros dégâts, esquiver, etc., etc. Donc vraiment très très cool. C'est pour ça que j'aime beaucoup Front Mission 3 pour ça. Ok, maintenant on va continuer notre aventure. Donc on rentre à Sanya Base. On a fini notre mission. Donc après s'être fait remercier, on retourne à Gangzhou.
Donc nous sommes rentrés, nous avons parlé à Huang, bien sûr, il nous a félicité pour le travail impeccable. On est fort hein, pour tuer les gens. Mais en tout cas, après, maintenant, on lui demande donc, est-ce qu'on peut avoir des informations, est-ce que vous allez nous aider pour avoir des informations sur Lucave. Il nous a dit oui, mais après il a dit, ah, j'ai pas fini. Vous allez travailler pour moi, jusqu'à temps qu'on récolte les informations. Donc du coup, maintenant, on va les aider pour tout ce qu'ils veulent et tout ce qu'ils ont besoin, jusqu'à ce qu'ils récupèrent toutes les informations. Donc on va voir ce qui va se passer. Donc le chef des rebelles nous a dit d'aller nous reposer et en fait on a un gros quartier libre pour le moment. Donc on a plusieurs endroits, on a la ville, on peut retourner au quartier évidemment, le QG des rebelles. Et après on a le magasin, donc évidemment on va aller voir le magasin et ce qu'il nous offre. Donc on va voir un peu ce qu'on a, donc est-ce qu'on a déjà des upgrades niveau 4? On va prendre un qui n'était pas au niveau 4, ouais. Maintenant on peut monter tout au niveau 4. Donc vous voyez, comme je disais, le cubing, c'est bien de l'avoir sur le combat, mais ça dure pas longtemps. Voilà, c'est pas vraiment extrêmement pété. Mais bon, ça reste un bon Wanzer, hein, comme j'ai expliqué. Par contre, je vais regarder par exemple le Grapple M1, il monte à 798 de HP. Ce qui est très bien, et lui de base il est quand même à 872, mais encore une fois c'est surtout ça qui est extrêmement pété, c'est 30% de défense en fait le corps il donne, alors que Grapple M1 on avait vu tout à l'heure 10% seulement, donc c'est pour ça qu'il est très puissant. Après, alors Yongsai 3, on a déjà un Yongsai 3, on va le vendre, non, je suis dans les upgrades, voilà, on va là. Machine, ouais, directement. Ouais, très bien. On va regarder un peu ce qu'on a acheté. Alors, on a un Yoxai 3, on connaît le Drakem 2C, on connaît Rexon aussi, Grapple Am, on connaît. Donc, ok, bon, déjà, niveau Wanzer, il n'y a rien de nouveau. Les backpacks, on les connaît. On a déjà rien de nouveau pour les armes. Bâton, spike. Ah, ça peut être le Mingda 2. La spike, elle est nouvelle ou pas? Je crois qu'elle est nouvelle aussi, celle-là. Oui, jaune comme ça, oui, elle est nouvelle. Le bâton, non, on l'avait déjà. Le fist, on l'avait déjà. Par contre, voilà, le fist reste quand même mieux. Hein. 109 x 1, 90 x 1. Bon, après, il y a plus d'accuracy et tout ça. Et c'est des dégâts perçants, c'est pas impact. Donc c'est vrai que, comme j'avais dit, on pourrait avoir les deux. Surtout que maintenant, on a la version un peu améliorée de la Spike. Donc on pourrait utiliser les deux différents. Je vais peut-être faire ça. Ouais. On va peut-être en prendre une. Hop. Buy an equip. Ouais, voilà. Comme ça, on en a deux différents sur Kazuki. Après, on a le donc Mingda 2, c'est mitraillette, donc une nouvelle. Très bien, on a un fusil à pompe. Non, ça, on le connaissait déjà. Le Loaxing 6, ça, c'est le sniper. Je sais plus si le Fura, il est... Ouais, non, il est déjà équipé de celui-là. Ok, ça marche. On a ça, nouveau lance-flamme, je crois. Et on a le buckler qu'on connaît. Ouais, ça c'est un nouveau lance-flamme, je crois bien. Ouais, pas mal, pas mal. Et en épaule, on a quoi? En épaule, on a nouveau. Donc on a un nouveau lance-grenade. Qui fait plus de dégâts, mais par contre il pèse plus lourd. Donc on va voir comment on va s'équiper de ça. Et après, on a un nouveau lance-missile. Le par... Non, le lay-in. Ouais, on passe à 104. Ce qui est pas mal. Elle est un peu embêtante, parce que comme j'ai dit, si on commence à avoir différentes armes un peu disséminées en fait sur le Wander, c'est-à-dire si on prend une arme de tir, après on prend un lance-roquette en plus, on prend un sac et tout ça, ça commence à être lourd. Et on commence à avoir un peu des problèmes. Donc ça, c'est un peu embêtant. On va regarder les computers. Ah, voilà. Là, ça y est, on arrive aux ordinateurs, en fait, assez intéressants. C'est-à-dire qu'on a toujours les ceux de base, donc le COM 6, par exemple. La capacité va augmenter à 6. Là, nous, on a la capacité qui est augmentée à 5. Donc c'est bien. Et après, en fait, on a des variantes. Donc on a une variante où, par exemple, l'activation... augmente légèrement, l'eau c'est basse, augmente légèrement, et par contre les combos diminuent légèrement, donc c'est à dire que vous allez avoir plus de chances d'avoir un qui s'active,
Mais après, ils vont pas vraiment s'enchaîner. Ça, on va pas faire genre 2-3 battle skills d'affilée. Donc ça, ça peut être utile si vous prenez des battle skills, on va dire genre défensifs, parce que vous pouvez pas vraiment les enchaîner en fait, les défensifs. Vu que vous vous faites attaquer qu'une seule fois, vous allez en activer qu'un seul. Par contre, si on prend par exemple Kazuki... Kazuki, il a Stun Punch, Eject Punch, machin, Double Punch. Donc ces trois-là, par contre, ils peuvent s'enchaîner. Donc le mieux, ce serait de prendre un ordinateur qui fait ça. Donc activation, donc elle baisse énormément. Par contre, si jamais ça se déclenche, on a une très très grosse chance d'avoir un combo. Donc plusieurs battle skills qui s'enchaînent. Donc voilà, il faut penser à ça. Je pense que... Si vous voulez vraiment avoir un meilleur moment, on va dire rendre le jeu un peu plus simple, c'est mieux qu'on ait une activation plus souvent, même si c'est qu'un seul. Je pense que c'est mieux, honnêtement. Après, si vous voulez avoir un peu des gens un peu plus personnalisés, vous voyez, pas faire du roleplay, mais les personnaliser un peu plus, vous pouvez faire en sorte que ceux qui ont des battle skills... qui peuvent s'enchaîner, par exemple elle a double shot, rough up 1 et 1, elle à la limite on peut lui enlever ces deux là et lui mettre le double shot par exemple seulement et augmenter son taux d'activation et là elle va faire extrêmement mal. Vous voyez, c'est un peu comme vous voulez, mais voilà, le mieux quand même reste, si vous voulez rendre le jeu un peu simple, on va dire plus facile les combats, c'est mieux d'avoir un ordinateur qui augmente l'activation. Mais ouais, donc du coup, ce que je vais faire moi, je vais réfléchir, parce que sinon ça va prendre un petit moment, je vais pas l'enregistrer en fait, enfin je vais le faire après, je vais tout modifier les Wormser et tout, parce qu'il faut voir le poids surtout, parce qu'on va avoir des problèmes avec le poids, genre par exemple le Kazuki, si on met le nouveau lance-flamme, il est déjà surchargé, alors que il est au max en fait. Pas avoir plus lourd, donc c'est un problème, donc on va voir, on va peut-être changer les Wormser et tout ça, donc je reviens à tout de suite.